Bonjour à tous, nous sommes le 8 février et je vous invite à fêter avec moi une des plus belles saintes de ce temps moderne, sainte Joséphine Bakhita. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous serez heureux de découvrir cette vie de cette esclave soudanaise devenue une des plus grandes saintes de notre temps moderne, elle qui a su à pardonner même à ses bourreaux, qui a su être, je dirais, élevé, qui s'est élevé à la grâce par l'amour de Dieu et du prochain. Une très très belle vie. Et j'ai mis comme musique de film « Va, vie et deviens ». Vous rappelez ce film incroyable qui est bouleversant. Ce film qui raconte aussi à travers l'épopée des Juifs d'Éthiopie, une famille chrétienne séparés, la mère et l'enfant, mais pour le bien de cet enfant, va, vis et deviens. Un film tout à fait magnifique. Alors oui, je vous invite à aller voir la vie de sainte Joséphine Bakhita. On en a même fait un film et vous pourriez aussi regarder ce film. L'importance de ce témoignage, c'est que cela nous doit nous fortifier dans la certitude que on ne peut vaincre le mal que par le bien. On ne peut vaincre les situations les plus difficiles et douloureuses que par un amour plus grand qui s'appuie sur une espérance invincible. Un amour, c'est-à-dire une foi confiante invincible sur l'espérance que Dieu est toujours présent. Et Dieu prend soin de nous. Surtout dans les situations les plus tragiques, les plus délicates, les plus injustes. Et ce film raconte justement l'histoire d'une mère qui offre son enfant à une famille éthiopienne, comme eux, mais juive, qui ont perdu un enfant, pour que cet enfant ait une vie meilleure, puisqu'elle, elle reste dans les camps. Et va, vie et devient. Et cet enfant, bien sûr, n'oubliera jamais sa mère. Et je vous laisse voir ce film. Mais Joséphine Bakhita, eh bien, c'était aussi un peu la même façon de voir les choses. C'était une battante, une guerrière d'amour de Dieu. Très tôt, elle a compris que seul l'amour pouvait l'emporter sur la haine et la guerre. Et que nous devions, construire cette civilisation de l'amour. Voilà. Alors j'ai retrouvé quelques passages du film, je trouve que c'est très beau. Il y a la mère et l'enfant, il y a va, vie et deviens, bon, il y a un kaddish, il y a l'exode, et puis vous avez aussi la mère et l'enfant. Donc il y a plein de musiques de films très très beaux, et je vous quitte avec cette musique « Mère et enfant ». Joséphine Bakhita, sainte Joséphine, priez pour nous. Et puis, si vous voulez, vous pouvez regarder ce film et aussi « Va, vie et deviens », qui est un chef-d'œuvre du cinéma et qui est une ode à l'amour plus fort que tout et à l'amour maternel où tout est grâce et à la filiation magnifique.